Lutte contre la détention illégale et arbitraire en Haïti, partage d'expériences, défis et perspectives. C'est sous thème ça, responsable organisation citoyen pour un nouvel Haïti, réalisé jeudi 14 septembre dans une causerie dans Pétionville. Activité ça qui réunit plusieurs jeunes avocats et juges à tes occasions pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, avec ancien doyen tribunal à la première instance Saint-Maclan, maître Massillon Noé Pierre-Louis, partager expérience avec participants. Causerie ça permet aux jeunes professionnels yo dans système nan apprendre de expérience ancien yo, yon façon pour yo connaître qui gens pour yo orienter yo ak lite contre problème détention illégale à arbitraire en Haïti selon directeur exécutif au CNH lan, maître Camille Oxius. On suit. Au CNH engagé pour que li continue avec mode de débat sa yo parce que nous rendons compte gen yon série de sujets moun pa parler de yo. Pourtant, yo gagné en pile importance. Question détention illégale et arbitraire là, pour nous-mêmes au niveau CNH, nous bay en pile importance et nous ap travay sou li, n'ap gade nan ki niveau nous kapab pote participation pa nous, contribution pa nous et pour permettre nous joindre des solutions. Et c'est pour ça nous fait causerie ça, mais nan question justice là, c'est tout yon enchaînement. Ce n'est pas seulement rencontrer avec juge et avocat pour nous toucher problème et puis partager expérience, mais bientôt au CNH pour réaliser l'autre causerie toujours. Et causerie nous avons annoncé nous pour réaliser là bientôt, c'est causerie côté nous pour chita parler échanger pour nous garder problème qui existait entre DCPJ et avocat. Au CNH comme organisation qui défend droit moun li bay tête li mission pour que li pote participation par li contribution par li dans différents problèmes qui existaient et tout ça qui gen pouwe avec question droit moun. Donc si nous a parlé na bataille sous question détention illégale et arbitraire là jodi an c'est juge c'est avocat c'est moun qui gen expérience yo qui chita k'ap partager expérience yo mais nan même ligne bataille contre détention illégale et arbitraire là nous pas capable pas toucher problème qui gagnait entre DCPJ et avocat yo et c'est pour ça nous déjà commencé prendre disposition tout suite après nous fin réaliser cause ça nous pral rentrer dans démarche pour nous planifier l'autre causeria qui a gagné et pour nous étendre nous sur problème qui gagne entre DCPJ et avocat lorsque il y a travail sur dossier yon justicier.